Moi, je, je juste ajouter un mot sur Roddy sur Garcia parce que je crois qu'on ne l'a pas dit. Et euh, Jonathan, je pense évidemment tu te souviendras de ça parce qu'à l'OM, c'était la même chose. C'est quand même un coach. Alors, je ne sais pas si ça date de, de la Roma ou ça s'était également euh, mal, fini. Mal, mal fini, mais c'est quand même un coach qui n'assume rien. Il n'assume jamais rien. Il se défausse toujours sur les autres. C'est jamais sa faute. Alors, à travers les, ces conférences de presse ubuesques, complètement délirantes, où c'était euh, « si on n'avait pas pris trois buts, on gagnait le match »,« s'il n'y avait pas trois équipes devant nous, on ne serait pas quatrième », enfin, ce genre de phrases qui, nous, qui, qui, ont, qui ont fini par nous faire marrer tellement ils étaient folles. Ah là Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces propos, finalement Je ne suis pas le responsable. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mais je ne suis pas. Il assume pas parce que évidemment, si je dis ça là, si je, si je reviens là-dessus, c'est parce que là, on va entamer euh, la critique de la politique sportive du club depuis des années et, 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 et les critiques que j'ai souvent répétées euh, par rapport à Jean-Michel Ollas. Mais il ne faudra pas non plus tout lui mettre sur le dos parce que euh, dans une entreprise, évidemment, il y a des bouts de, de, de des parcelles de pouvoir qui sont distribuées et il y a celle qui est un combat l'entraîneur. L'entraîneur, il dirige le groupe professionnel. Bon, le problème, c'est la personne qui est quand même... en place. Hein. Oui, non, mais certes, mais il, il ne peut pas être déchargé de sa responsabilité mais mais sur comment il a géré le oui, groupe. À la, à Et à lui, la, à la Roma, il se défausse tout le temps. C'est jamais de sa faute. À la Roma, c'était les arbitres. À Marseille, oui, c'était jamais de sa faute. C'était toujours les joueurs qui comptaient. jamais de sa faute. Et à Lyon, c'est Juninho. Il y a toujours quelqu'un. un arbitre joueur entre tous